Une mer déchaînée, des chutes d'arbres meurtrières, des accidents de la route et des évacuations. Le passage de la tempête Xaver était dévastateur depuis hier dans le nord-ouest du continent européen. Les vents étaient violents de l'Irlande du Nord au Danemark en passant par les Pays-Bas. Un chauffeur routier a perdu la vie en Écosse où des pointes de vent ont été enregistrées à 228 km/h. L'Allemagne s'attendait cette nuit à essuyer sa plus forte tempête depuis 1962, notamment dans le port d'Hambourg. Les autorités ont pris des mesures de précaution pour limiter les dégâts, tout comme en Belgique et aux Pays-Bas. La circulation des trains et ferries a été interrompue. De nombreux ponts ont été fermés, comme celui reliant la Suède au Danemark. Des centaines de vols ont été annulés, notamment dans les aéroports d'Amsterdam, de Hambourg et de Copenhague. Copenhague, où les cyclistes n'ont pas été épargnés par les assauts du vent.